Mets pas les pattes dans l'eau. Nouille. Nouille, nouille. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les lapins. Je vais vous présenter un petit peu comment ça a avancé depuis la dernière fois. Il y a eu quelques changements du coup dans leur installation. Ils ont un peu plus de place, c'est beaucoup mieux. Et ça va encore évoluer parce que je suis en train de fabriquer encore de nouveaux enclos. Je vais vous montrer tout ça, c'est parti. Donc voilà comment le petit coin lapin a avancé. Vous voyez que le bardage de la cabane n'est toujours pas terminé, hein. C'est bien avancé, mais j'ai pas eu le temps de finir et toute seule c'est trop galère. Surtout pour les côtés où il faut tenir d'un côté la planche et de l'autre côté la fixer, donc c'est hyper chiant. Du coup je vais vous montrer déjà l'intérieur de la cabane. Donc là tout le monde est couché, c'est l'après-midi, il fait super beau et en fait il fait déjà assez chaud dans la cabane parce qu'il n'y a pas assez d'aération. Donc je vais m'occuper de ça rapidement avant qu'il fasse trop chaud, parce que si on a un été comme l'année dernière ça va être horrible. Donc hop. Je referme. Donc voilà, donc j'ai fabriqué trois grands clapiers en bois au fond de la cabane. Donc c'est des espaces qui font 1,80 m de large par 60 de profondeur. Donc c'est pas mal. Ça me permettra, en fait, à l'intérieur dans la cabane, je vais faire la partie nurserie et infirmerie, on va dire. Donc là, c'est les petits bébés que vous aviez vus l'autre fois, quand ils étaient tout petits. Allez, les bêtes. Voilà, qu'est-ce que je fais avec mon téléphone? Je vous fais très peur. Ça, c'est vraiment l'heure de la sieste, là, ils sont tout mous. Allez, mes casouilles. Bon, bah, mais doucement. Et petit bébé. Donc ça, si je dis pas de bêtises, ça doit être mon petit mâle. Donc c'est Peters. Ça, c'est la petite femelle que je vais vendre normalement. Hop, et ça, c'est Wendy. Donc pour l'instant, normalement, je garde cette femelle et ce petit mâle. Et je vends une des femelles. Je sais pas, peut-être que par la suite, je vendrai la deuxième femelle aussi. Je suis pas encore fixée, voilà. Parce qu'ils sont vraiment très très beaux et c'est une couleur qui n'est pas commune. Donc peut-être que je vais garder au moins un mâle, c'est sûr, et peut-être une des femelles. Donc là, ils ont leur petit coin avec leur litière. Ils ont un petit tapis bête qui est confortable. Et puis pour les petits pipis, des fois, qui passent par-dessus bord, c'est pas mal. Surtout qu'il faut que je change de bac à litière parce que j'ai ceux-là. C'est pas mal parce que c'est assez grand, mais en fait... Mais comme c'est que les lapines qui sont là, elles ont tendance à faire pipi un peu trop fort et un peu trop par-dessus le bord. Et du coup, ça passe en dessous, au fond. Donc je vais racheter des bacs en triangle. C'est vachement bien et j'ai vu qu'ils en faisaient dans des tailles très très grandes en fait. Donc je pense que ça pourrait marcher. Voilà. En haut, pour l'instant, il n'y a personne. J'avais mis depuis 2 jours ma petite femelle qui doit partir parce qu'elle était réservée pour demain. Et finalement, bah, comme en ce moment on n'a pas trop le droit de sortir, bah, la personne a dû annuler. Donc je l'ai remise avec les autres, hein, elle est quand même beaucoup mieux là. Là on a Olga. Ma petite pelette. Voilà. Qui est là, qui est en liberté avec Pirouette. Ah, Miss Pirouette. Voilà, donc ça normalement c'est mes deux prochaines qui vont me faire des bébés. Normalement pour fin avril. Donc ça me fera des petits bouts de chou. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram ou sur Facebook. Voilà, si vous voulez réserver un petit bébé. Parce qu'ils vont être trop mignons. Oh, c'est vrai. Ouais. Voilà, donc vous avez les trois niveaux qui sont à peu près fait pareil, avec un râtelier sur le côté, un petit bac à litière. En dessous, j'ai un bac où je mets le foin. Voilà, donc régulièrement, elle me le pousse. Il y en a une qui passe derrière pour le pousser et l'autre saute dedans et se fait une orgie de foin. Alors ça me pose pas trop de soucis pour l'instant. À chaque fois qu'elles ont fait ça, elles ont pas pissé dedans, donc ça me pose pas trop de soucis. Voilà, là elles ont des petits tunnels en osier qu'elles adorent. Normalement elles ont un petit igloo en tissu aussi pour chat, mais il y en a une qui m'a... Non, c'est pas elle d'ailleurs, c'est les petits, j'avais sorti les petits ce matin. Et il y en a un qui s'est lâché dessus, s'est dit « Oh, trop confort, je vais lâcher une goutte ». Pourtant ils sont propres, hein. Normalement pipi, pas de soucis.
Mais bon, là, c'était plus fort qu'eux. Un pirouette. Ma petite bulle. Donc voilà, ils ont des petites cases en dessous, ils peuvent grimper souvent. Et Spirouette, elle aime bien dormir dedans. Ils ont un autre petit bac là, parce que j'ai remarqué qu'ils aimaient bien faire les petits pipis là. Donc j'ai rajouté ça et ça marche très très bien. Ils continuent à faire dedans. Au-dessus, j'ai du coup ma petite table. Là, j'ai une petite balance avec un petit panier, on va dire, qui me permet de faire les pesées pour les bébés, voir s'ils grossissent bien. Et puis bah, pour faire tout ce qui est soins, on a fait les vaccins. Quand il y a des petits yeux à nettoyer des choses, et ben c'est super pratique, je les pose là. Ensuite, on a le stock de granulés. On a une petite pharmacie là, on a du sérum, on a de la pommade pour les yeux, on a du Cotivette pour les petits bobos, parce que des fois il y a des petites bagarres, mais pour l'instant on n'a rien eu de trop méchant. Si sauf c'est dans les grises d'ailleurs, je vous montrerai après. C'était au début. Là j'ai des stocks de bibes, voilà. Là c'est aussi des granulés. Le vinaigre blanc pour nettoyer. Normalement j'ai un petit paillasson mignon mais qui est en train de sécher là-bas parce que bah, quand elle faisait pipi là bah, ça coulait sur le paillasson. Je me suis mis des petits cadres pour faire une petite déco un peu sympa, voilà, pour que ça soit plus agréable pour moi quand je viens m'en occuper. J'ai ma petite guirlande le soir, ça me fait une petite lumière d'appoint quand je viens les voir à la frontale le soir. Faut que je m'installe une vraie lampe de camping. Voilà. Ensuite on va aller voir ceux qui sont dehors. Alors, par là du coup, on a Patch qui était jusqu'ici là-bas. Je sais pas si vous voyez dans l'enclos qui est devant le chalet. Là, les cochons d'Inde sont partis en pension, on va dire, chez ma maman parce que je vais réensemencer de gazon l'enclos. Parce que là, du coup, il n'y avait plus d'herbe, c'était un peu la bouillasse comme il a beaucoup plu. Du coup, Patch est dans ce petit clapier que j'ai fabriqué en palette. Il y avait Michel avant dedans, donc là, je l'ai un peu amélioré. Et voilà, il est là. Non, tu peux pas sortir par là. Non, t'es trop gros. T'es trop gros, Patchou. Voilà. Petit bonhomme. Mes deux gros béliers, peluches. C'est l'heure de la sieste ici. Et Michel, du coup, sont dans des clapiers béton que j'ai récupérés chez le grand-père de Clément. Et qui sont super parce qu'ils étaient en état nickel. Alors, normalement, il y a 8 cases en fait. Je sais pas si je peux me reculer assez pour vous montrer. Tu sors pas, peluche, hein? Normalement, dans chaque carré de grille, il y avait deux cases. Donc ça en faisait 8. Donc évidemment, ça faisait des espaces absolument ridicules. Donc là, j'ai enlevé toutes les séparations et ils ont un étage chacun. Un petit peluche. Ça va, mon chat. Fait chaud, hein? Ouais. Il est trop mignon. Bon, oui. Et de toute façon, là, les clapiers, je les garderai en appoint, on va dire. Pour les mâles, je ferai des enclos en bois. Je vais commencer à en faire un. Je vais vous faire une vidéo pour vous montrer comment je les fais. Parce que je voulais acheter des trucs tout faits à la base, mais franchement, ça coûte super cher. Alors que, bah, en faisant ça même avec du grillage, des tasseaux, ça sera beaucoup mieux. Alors, ce truc, je ne coupe jamais parce que c'est pas parfaitement monté droit. C'est un peu raide. Voilà, donc là, il y a Michel. Là, mon petit pilon. Salut. Là, c'est le début des chaleurs. Ils sont tous en train de faire leur mue. Et Michel, il mue de la tête. C'est terrible. C'est terrible. Hein, grosse bouille? Bah oui. Voilà. Donc là, ils sont, eux, sur paille, en litière. Patch aussi, là-bas. Attention à ton oreille, mon chat. Là. Donc, ils sont juste à côté. Hein. Ils sont vraiment tous dans le même coin. Et à côté, on a le grand enclos où il y a Poupinette et Pimprenelle. Coucou les filles. Attention, attention. Alors, vous vous poussez un peu? Hop là. Je vais faire un petit loquet à l'extérieur pour refermer derrière moi. Salut les filles. Alors, elles ont pris l'habitude de faire leur crotte derrière la porte, ce qui est extrêmement pratique. Et alors? Voilà, les deux grosses filles. Donc là, elles sont très bien. Elles ont 18 mètres carrés juste pour elles. Après, de toute façon, c'est pareil. Je pense que je vais les rapatrier un mois dans d'autres enclos ou dans la cabane. Parce que je vais, pareil, je vais ressemer du gazon. Parce
parce que comme j'avais creusé pour enterrer mon grillage, je sais pas si on voit le grillage à l'image, j'avais mis de la terre un peu partout, on était passé avant avec le tracteur pour faire les fondations de l'abri, donc en fait on avait vachement retourné la pelouse. Et comme ça fait un mois qu'il pleut, là ça fait quelques jours qu'il fait beau, mais il a beaucoup plu depuis qu'elles sont dehors et franchement elles étaient dans la bouillasse et c'est vraiment pas cool. Donc pareil, je vais venir regratter la terre et ressemer du gazon. Elles seront bien plus confortables. Puis niveau hygiène, ça évitera que l'eau stagne en fait quand il pleut. Ça sera beaucoup mieux. Hein? Bah oui. Bah oui. Et voilà, du coup, dans leur enclos, elles ont des petites cabanes en bois, des petites cabanes en plastique. Normalement, il y a un râtelier qui est accroché là, mais qui met des boîtes tout le temps. Bande de filoutes. Voilà, donc dans les petites cabanes, elles ont de la paille. Je ne sais pas si vous allez voir, je sais pas si ça va faire la mise au point dedans. Voilà. Voilà, du coup, ça donne sur le côté de la cabane. Voilà, on en est. Voilà, donc tout le monde a trouvé sa petite place. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Pour l'instant, c'est tout. Je vais sans doute cet après-midi avancer sur un de mes enclos. Je vous filme ce que je suis en train de faire avec l'enclos, comme ça je vous ferai une vidéo pour vous montrer. Puis si vous avez envie de faire la même chose pour votre lapin, là j'ai prévu de faire des enclos de 3 mètres carrés avec abri. Et tout ça pour normalement entre 80 et 90 euros. Donc vous comparez par rapport au prix des enclos que vous pouvez trouver sur internet, c'est imbattable. Donc voilà, ça va me prendre quelques heures de boulot, surtout que je suis pas une as du bricolage. Mais je pense que ça vaut vraiment le coup. Voilà, voilà, on voit qu'elle fait sa mue aussi. Mes mères, là, elle est un peu bicolore. Hein? Petite grosse tête. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous serez content d'avoir des nouvelles des lapins, parce que la vidéo où je vous les présente vous a beaucoup plu, il y a eu beaucoup de réactions. Donc voilà, je voulais vous montrer où ça en était. Je vous referai une vidéo, je pense, s'il y a une prochaine portée, je vous remontrerai du coup la vidéo de fabrication des enclos. Voilà, en attendant je vous fais des bisous et à bientôt.